Hello, bonjour, c'est Kiki, bienvenue dans Fit Mindset. Dans cette vidéo, je te dis l'une des clés pour démarrer efficacement son programme minceur, eh bien, n'en parle à personne. Alors, pourquoi tu ne dois en parler à personne? Simplement parce que lorsque tu sonnes la cloche comme quoi j'ai acheté le programme à créer sa routine sportive de la coach Kiki. Tu donnes le droit, tu autorises ces personnes-là à te voler ta capacité, ton droit d'être faible, d'être vulnérable, de ne pas toujours pouvoir y arriver tout de suite. Même à ton mari, moi je dis, même à ton mari n'en parle pas, même à ta soeur, même à ta meilleure amie n'en parle pas. C'est vrai que certains hommes sont obligés d'en parler à leur femme parce que ça les, elles vont les aider à cuisiner. Mais très honnêtement, je dis n'en parlez pas, tu sais. Mincir est bien plus que arrêter de manger certains aliments, c'est bien plus que manger plus de fruits et de légumes, c'est bien plus que réduire ses portions. En fait, travailler à mincir, si jamais tu optes pour adopter un mode de vie sain, comme je te le demande, tu vois, ça implique que tu vas à l'encontre de tes habitudes. Ça implique tes émotions, ça implique tes façons de sentir, d'être, ça implique tes comportements qui ont déjà fait une partie de toi et qu'il va falloir changer. Et ça demande bien plus que de la volonté, ça demande bien plus que de la motivation. Or, la personne qui se trouve en dehors de toi, elle ne sait pas toujours ça. Elle ne sait pas toute la bataille, toute la guerre qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu dois regarder ton voisin en train de manger un biscuit que tu aimes beaucoup et que tu dois lui dire non. Merci, je ne veux pas. Lui ne sait pas ça. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'on t'a proposé un croissant et que tu as dit ok, merci. Il dit, oh, tu manges le croissant, mais ça, tu as dit que tu es sur le régime depuis ce matin. Mon frère. C'est quoi le truc? C'est quoi le problème? Il ne comprend pas tes réalités, il ne comprend pas tes challenges, il ne sait pas d'où tu viens. Il ne connaît même pas comment tu te sens dans le corps que tu es. Il ne comprend pas tes douleurs de dos, tes douleurs de genoux. Il ne comprend pas ce qui t'a véritablement poussé à décider de changer la donne, de faire ce voyage pour un mieux-être. Et de quel droit? Il se met à te dire, hey, dans toi, si tu bois le jus. Mon frère, ton problème est où? Ton problème est où? Et ces façons de faire-là, en fait, ça t'affaiblit. Tu vois, contrairement à ce que tu crois, quand tu dis peut-être qu'en allant dire à ton voisin que oh, je suis sous régime, ça va te rendre plus fort, il va te contrôler. En fait, ça t'affaiblit. Tu n'as pas besoin de ça. Ok, si tu t'écoutes et que tu fais ce que ton coach te dit, tu vas y arriver. Et inscris-toi dans un mode de vie, une chose que tu vas faire et qui va devenir une part de toi avec le temps. Et pour ça, honnêtement, tu n'as pas besoin de police, tu n'as pas besoin de cloche à côté de toi pour réussir. Je te garantis que si tu te fais confiance en toi et que tu demandes la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Ok? Bon, c'est ce que j'avais à partager avec toi dans cette édition de Fit Mindset. Bah écoute, je t'invite à rejoindre le Fitness Club by Kiki ou encore prendre le programme Acquérir sa routine sportive en cliquant sur l'un des liens en dessous dans la description. Je te souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous pour un autre épisode de Fit Mindset. D'ici là, tu prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bisous.